Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur Symphony of War. On va pouvoir continuer notre petite aventure. Alors, comme ça fait un moment que je le disais, j'ai fait quelques arènes en off pour expérimenter nos unités un petit peu faiblardes. Et j'ai un petit peu rerangé nos différentes escouades. On a une nouvelle escouade du coup avec Béatrix hein, qu'on avait débloqué la fois d'avant. Donc elle était toute seule dans son escouade. Je me suis dit que ce serait sympa de faire une escouade de magiciens. Donc j'ai commencé à lui mettre une petite soigneuse et devant... quelqu'un qui va pouvoir devenir une paladine pour tanker un peu. Bon, pour l'instant, c'est vraiment une petite escouade hein, à 8000 et c'est quasiment elle qui fait tout le taf. Mais elle est largement capable de faire le boulot toute seule. Hein. Elle a énormément de PV avec un boost de fou qui booste ses PV selon sa magie. Et elle est déjà level 30. Enfin bon, je pense qu'elle va principalement faire le taf dans l'escouade. Mais on va essayer quand même de ne pas la laisser trop seule. Et j'ai également récupéré l'archer amélioré qui avait été monté par Lysandre, dans l'escouade de Lysandre. Je l'ai appelé Nardinus et j'en ai refait une nouvelle escouade d'archers, donc qui commence déjà à être un petit peu expérimenté avec un petit tank devant, et qui est plutôt efficace. Donc ça m'a permis de monter un petit peu ça. On est encore très loin d'avoir suffisamment de troupes si on en croit la sauvegarde. Hein. Si on regarde, on est à 127 sur 250 niveau armé. Mais on commence quand même à avoir beaucoup beaucoup d'escouades. Et notamment beaucoup d'escouades de viewers qu'on peut utiliser, ça c'est cool. Alors, on avait débloqué la dernière fois les quêtes alternatives, les déploiements alternatifs. Le jeu dit que on peut les faire tant qu'ils sont disponibles. Donc du coup, ça semble sous-entendre que si on continue l'histoire principale, au bout d'un moment il y en a certains qui vont sauter. Donc je pense qu'on va essayer de les faire. Alors je sais pas si on peut en faire que certains ou si on peut tous les faire. On va essayer de tous les faire si on peut. En plus ils sont plutôt intéressants hein. Des trucs, il y a des petites descriptions en bas là qui nous disent ici c'est Sibyl qui a fait de la merde et il faut la sauver. Ici l'Empire essaye de se débarrasser des nids de dragons, mais si on arrive à les aider on pourra avoir un allié puissant. Ici on a localisé carrément des complexes de détention des enfants qu'on pourrait attaquer. Là on peut essayer de s'emparer des réserves de pyrocytes pour les armes à feu. Et là on a carrément un... Je ne peux me débarrasser de ce sentiment, il m'est familier, mais troublant. Donc on va essayer de faire ça. Juste avant, on va faire les petits textes. On a des conversations en attente. Et c'est parti. Salut Béatrix, comment tu trouves le coin? Oh, voilà que maintenant je dois m'intégrer. Tu as l'intention de tout faire toute seule? Ne compte pas sur moi pour te laisser faire. Vraiment? Alors bonne chance. Mais tu as l'air bien mignon. Peut-être que je ferai de toi mon serviteur privilégié. Oh. Puis-je te demander, comment es-tu devenu aussi doué dans les arts magiques? Je n'ai jamais vu autant de maîtrise, même de la part de mages de combat expérimentés. C'est ma bénédiction et ma malédiction, Jules. Mon existence est comme une immense expérience. Je suis la première néphilime dont l'existence a été découverte par les cultistes. Alors ils ont essayé par tous les moyens de me soumettre à leur volonté. Ils m'ont vraiment retourné le cerveau. Retourner ton cerveau? Tu ne le vois donc pas, il me manque quelques cases. Et elles sont pas toutes carrées non plus. Qui sait, je vais peut-être déjanter en plein milieu de notre conversation et te faire exploser juste pour rigoler. Et salut Mazamara, bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien depuis ce matin. T'en penses quoi? Je ne pense pas que tu le ferais. Ah, si tu le dis. Il était vraiment bien mignon, mais si je veux m'entraîner, il faut que tu t'éloignes. Prends soin de toi, ok? Oui, oui, bien sûr. Amuse-toi bien. Compte sur moi. Ok, donc eux, ils deviennent amis. Donc ça fait des petits boosts au moral, hein, les relations, c'est pas foufou, mais toujours ça de prix. Alors, Béatrix, j'ai tellement de choses à te demander. Vas-y le signe, je répondrai tant que tu ne m'ennuieras pas. Heureusement que tu n'es pas désagréable à regarder, ne laisse personne te dire que les apparences n'importent pas. Tu es de la famille Pendergast, comme Edmund Pendergast, la personne la plus riche du monde? Tout à fait. Tu dois être l'héritière de richesses inimaginables. Eh bien, je les mérite après tout, mais ça ne veut pas dire que le vieil homme m'allèguera tout à moi toute seule. Il a une armée de lèche-bottes qui ne cherchent que leur part du gâteau. Je verrai bien quand son vieux cœur froid finira par lâcher. Tu n'es pas très proche de ton père, n'est-ce pas? On dirait. Vraiment, comment as-tu deviné? Peut-être qu'un jour je te dirai pourquoi. Pas de souci, je me demande seulement comment Pendergast a pu amasser une telle fortune. C'en est presque injuste. Quand tu vois le lion manger la gazelle, est-ce que tu préfères te lamenter sur l'injustice de la nature ou devenir toi-même le lion? Tu as déjà entendu parler de la crise de l'Ethereum? J'aime beaucoup l'histoire, donc oui.
Alors tu vas adorer. Pendergast n'a jamais raté une bonne occasion. Lorsque le monde a repris de zéro après toute la destruction qu'a causée la crise de l'Ethereum, il s'est jeté sur toutes les terres qui ont perdu de la valeur et allait en retrouver. Il y a eu ça, il a aussi financé la reconstruction d'une côte à l'autre, le genre d'affaires qui paie bien. Ce sont les banquiers qui gouvernent le monde, sans lever l'épée. Il suffit d'attendre quelques générations en investissant les gains et les voilà à commander tout ce qu'ils peuvent acheter. Ça ne paraît pas bien juste maintenant que tu le dis. Et donc, au lieu de juste être une future héritière, qu'est-ce qui t'a fait choisir ce chemin? De quel chemin tu parles? Je suppose que j'en sais rien non plus. Je vais te dire, je me sens parfois comme une étrangère au milieu des humains. Vos habitudes et vos plaisirs m'ennuient. Ce qui me motive, c'est la pagaille que je vois que je peux semer. En ce moment, ça fait que je suis de ton côté. Mais je ne peux pas te garantir pour plus tard, je pourrais bien devenir ta plus grande adversaire si ça me divertit. Ça te fait stresser? Un peu, oui. Mais je suis un bien meilleur juge des gens que tu ne le penses. Si je pensais que tu pouvais vraiment mener à notre perte, je te le dirais. Mais ce n'est pas mon impression. Oh, c'est trop mignon comme tu me fais, comme tu as confiance. Tu n'en seras que plus facile à dévorer les moments venus. Eh bien, Béatrix, tu as une sacrée personnalité. Et toi, tu as bel et bien réussi à me divertir. Par contre, je sens l'ennui revenir. Fais-moi plaisir et reviens me voir de temps en temps, d'accord? Bien sûr, porte-toi bien. Alors, eux, je pense qu'ils auraient fini ensemble si le signe n'avait pas déjà trouvé son amour. Eh ben écoute, ça va toujours bien, Mazamara. Bien mangé, prêt pour un petit live et après un petit peu de tournage. Du coup, on va se lancer. Je pense que on va aller essayer de les sauver les enfants. Si on peut en faire qu'un, ça peut être pas mal. Elle a même deux sacrées personnalités. Ouais, elle a deux sacrées personnalités, ouais, si tu veux. On peut dire ça. Après la destruction du monastère de Lemlin et la purge des paladins, de nombreux dévots du temple ont été pris en otage. Les espions ont découvert un camp d'internement sur l'île de Gateway. Qui est ici, ok. La sororité de la miséricorde et nombre d'enfants y attendent d'être sacrifiés par le culte. Cela ne peut plus durer. À l'assaut! Dans le tas! Alors, voyons voir. Ok, c'est une prison et on y va avec Diana et le cygne. Des centaines d'enfants ont été amenés ici. Ah, carrément. Le mode de vie du culte de Xanatus est pervers, c'est pourquoi ils doivent endoctriner les enfants. C'est l'unique moyen de créer une génération partageant les mêmes idées. Ces gens, si on ne les arrête pas, ils transformeront le monde entier en drones sans cervelle pour servir leurs objectifs. Alors ça fait déjà 2 ou 3 ans je crois, hein, qu'on était morts avant de ressusciter. Donc ils ont eu le temps d'endoctriner un peu. Hein. Sinon, si gagnons cette guerre, il n'y aura aucune pitié pour eux, je m'assurerai que leurs idées disparaissent à tout jamais. Alors, on peut déployer 10 personnes. Ok, il y a du peuple. Et ici, il y a quelqu'un à papoter. Très bien, avec des gens du culte. Les soigneurs avec les arbalétriers devant. C'est marrant, tiens. Enfin, les soignants devant. Très très bien. Les arbalétriers, ils sont sans peur, mais les unités vont être assez faciles à faire tomber. Ok, il y a du costaud, mais ça reste relatif. Le problème, ça va surtout être les goulots d'étranglement, je pense. Mes unités sont pas trop pleines. Et Rusquash. Alors je sais pas si t'as pu dépiler toutes les rediffs, Mazamara, mais les mecs du culte de Xanatus, en fait, ils enlèvent les enfants directement dans les familles, quitte à tuer les parents qui essaient de résister, pour les emmener dans des endroits plus ou moins secrets où ils les endoctrinent. Donc ouais, ils ont un problème avec les enfants, clairement. Ils sont un peu beaucoup, ouais, mais on va être 10, ça va être sympathique. Et alors j'ai découvert, on verra peut-être si jamais on a l'occasion de refaire une bataille avec un quartier général, j'ai découvert dans les arènes qu'on pouvait replier nos unités dans le quartier général, et en fait je pensais que ça les soignait, qu'ils revenaient plus tard, mais pas du tout. En fait on peut refaire revenir d'autres unités jusqu'à atteindre la limite de déploiement, donc c'est plutôt pas mal. Alors pour aller se débarrasser de lui, on va envoyer Abigail, mais le problème c'est qu'ils vont attaquer derrière, donc elle va se faire laminer. Donc on va mettre quelqu'un d'autre. Zmoisis. Ref, tiens. Ref qui commence à être un peu costaud lui aussi. Non, Ref il va aller s'occuper de ça. Les lanciers. On va prendre un bon vieux Bradzev, je pense. Pour aller se débarrasser d'eux. 16 ou 17 des reliefs, ah bah t'avances bien, on doit être à l'épisode de 20 ou 21 je crois avec cet épisode là.
Alors, on va prendre nos unités d'archers parce que vu les goulots d'étranglement, ils vont quand même être utiles. On va donc prendre notre nouvelle unité de Nardinus, parfait. Par contre, il y a beaucoup de lanciers, donc on prendra pas d'autres cavaleries. On va prendre Zmoisis. On va prendre Kaiser qui reste notre bonus. Hein. Et le général Bison. Ok, ça me paraît bien comme ça. On est parti. On va regarder le jeu objectif quand même vite fait. Détruisez tous les mages. Le signe a subi une défaite ou Edelia est vaincue au combat. Ne tuez pas les sorts de la miséricorde. Ah d'accord donc. Elle, il faut pas la tuer. Et ça, c'est les sorts de la miséricorde. Donc celle-là, il faudrait qu'on les tue pas. Elle bouge pas, donc c'est envisageable. J'imagine que ça doit être eux, les mages de Xanatus. Alors t'as pas encore vu... Alors oui, du coup, il y a eu quelques petites améliorations. Hein. Abigail a pu avoir tous ses dragons. Elle a même Jean-Eudes qui est devenu un dragon bleu, un dragon de foudre. Et on a un... On a un dragon rouge dans l'escouade de Santos la Muse maintenant. Ok, on est parti comme ça. Allons-y. Donc, on va commencer par un petit assaut ici. Hop, la petite embuscade de Nardinus. C'est parti. Oh, dommage. Bien dommage ça. Bah, du coup, ref, finis-les. Ah, on va se prendre le sort à 4 PV complètement gratos là. Bim! Ok, une de moins, on gagne une petite affinité pour les ténèbres, c'est cool. Là-bas, du coup, on peut charger. I can do this. Abigail est pour aller s'occuper d'eux. C'est assez faible hein, pour le moment. Donc là, on va y aller aux flèches, puisqu'on n'a rien de mieux pour le moment. C'est pareil, le Bradzef, maintenant, il a une vraie soigneuse supplémentaire. Chocho n'est pas derrière aujourd'hui parce que dans les rediff il y a pas mal de ses commentaires qui m'ont bien fait rire. Bah écoute, non, Chobiti va et vient, c'est comme ça que fonctionne une démon. On n'a pas la main sur ses mouvements. Des fois elle vient, des fois elle vient pas. ici on va pouvoir aller atteindre. Et c'est le seul en vrai qui peut atteindre. Donc du coup on va envoyer Bison ici pour un. Une attaque. Ok, pas mal, on affaiblit. Par contre, il n'y a que Jules qui peut aller l'attaquer. Ça, ça me plaît pas trop. Ah non, il y a Abigail aussi. Ça voudrait dire qu'elle se prendrait ces deux attaques-là. Elle est capable de gérer. Hein. Elle est carrément capable de gérer. Allez, bim! Mangez chaud! La magie sur des dragons. Allô, quoi. Ah, et du coup, ça serait presque tentant d'aller faire se rendre. Ah non, ils sont sans peur, d'accord, donc ils vont pas se rendre visiblement dans cette. Dans cette bataille. Ici, Bradzev il va s'en occuper au final, pas la peine de perdre du temps. On avance aussi loin qu'on peut. Jules, oh, il a un défenseur devant quand même maintenant. Il est capable de... On a dit qu'il se rendrait pas. Il est capable de faire le taf. Hein. Ok, c'est parti. Allez, venez donc faire Mumuse. Ouh, le one shot, je l'ai pas vu venir ça.
Ça c'est embêtant. Et le deuxième... Ok d'accord, bah il est pas capable de s'en sortir, je vais pas écouter très bien. Je m'attendais pas à ça. Je pensais que le défenseur serait plus costaud, mais tout seul visiblement c'est encore un peu dur. Par contre Abigail, on la voit plus beaucoup derrière ce dragon, mais elle fait bien le taf. Ah, il y en a là-haut qui vont se déplacer, ok. Très bien. Oh, bah, la Valkyrie a bien souffert. Allez à nous. Alors, bon bah Jules, tu pourras te replier. Ah, on a des renforts qui arrivent. Ouf, on a blindé d'assassins les renforts. Ref et Nardinus vont peut-être être un petit peu faits, mais bon, le temps qu'ils nous rattrapent, on va se démerder. On va là. On va même pas attaquer, on va juste ouvrir le trésor. Lui il va se suicider en venant de taper. De toute façon on peut pas les faire se rendre, donc on a... On n'a pas vraiment d'intérêt à... My friends are counting on me. Eux, ils peuvent peut-être se rendre. Pas de reddition, tant pis. On va les faire se rendre à la main. On nous fait un soin gratos de toute façon. Voilà, j'ai cru qu'ils allaient pas... qu'ils allaient pas le toucher, quoi. Alors, il nous faut libérer de la place pour que on puisse ressusciter des gens avec Jules. Donc c'est parti, autour de Zmoisis. Voilà, assommer la sorcière, ça c'est parfait. Petite esquive de Mawa. Ah, il commence à être efficace hein, les escouades. Du coup, t'es brisé. Donc, c'est parti, une reddition. Voilà, il faut juste qu'on ressuscite Jules là, histoire de ne pas être complètement à poil. On a gagné une action de plus. Alors, on ressuscite, on soigne, on avance. Ici. Stay strong, everyone. On peut se mettre à portée d'attaque, mais alors après, s'il se prend de nouveau deux attaques, je pense qu'il va pas jouer très très longtemps. We will always find a way. Petite guérison. Hop. Le général Bison, il va venir là pour tenir sa ligne. A paladin never surrenders. Ici on va reculer du coup. On se replie. Personne ne va à la poubelle, Squash. Tu préfères les combats en lieu fermé, 3 salles sus sympa niveau de dimension des pièces. Ah, ah c'est vrai que ça joue. Bon la magie a pas été hyper ouf là. Oh, l'enfoiré. Mon artilleur, tiens. Mange un coup d'épée dans ta tronche. Ça c'était vilain. Ah il m'a assommé. Eh, faut pas négliger les lanceurs de sorts. Hein. Ah, ils sont vraiment très forts quand ils veulent. Hein. Deux fois qu'un simple apprenti ne one-shot une unité là. Alors là, il va se suicider, on attend. C'est considéré comme une embuscade ça? Ok. Bon à savoir.
dans le noir, là, il n'y a pas de lumière, donc c'est une embuscade. Ah oui, c'est vrai, je me souviens avoir fait une mission comme ça. Il y avait des torches et où il disait que quand c'était dans le noir, c'était des embuscades, effectivement. Allez, toi, tu ouvres et tu reviens. 3000 balles, c'est toujours ça de prix. Du coup, ici... La reddition. Hop. Ça nous fait une petite place, donc du coup... On peut envoyer Kaiser... Casser des bouches. Ah, et maintenant Kaiser il a un centurion. Voilà. Kaiser c'est un peu devenu notre joker quoi. Son escouade fait tellement mal. Après, celle de Le Signe elle fait mal aussi, mais on voit bien qu'il suffit d'une petite. D'un petit enfoiré qui se faufile et ça fout tout de suite la merde. Hein. Diana, j'aimerais bien l'envoyer là. Elle fait 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc si on dégage cette unité. On pourra se faufiler jusqu'à elle. Allez, rendez-vous. Rendez-vous devant ce boy 6. Repent before the righteous. Que mine de rien, faut quand même faire en sorte de... De faire monter de niveau les gens de quête un peu. Hein, parce que quand t'es obligé de les prendre et que t'as pas le choix et qu'en fait t'as augmenté toutes tes unités à côté et qu'ils sont tout pourris, ça peut être embêtant. Ok. Bon, c'est pas mal, on devrait pouvoir avoir quelqu'un qui peut l'atteindre pour se rendre, je pense. Stay strong, toi, everyone. Tu peux, toi tu peux pas, toi tu peux pas, toi tu peux pas. Ok, donc Jules. Attention à pas se mettre à portée. Ah, on va être à portée. Donc il va falloir que Le Signe... Tu passes devant, mais si tu fais ça... L'autre il va nous attaquer dans le dos là, donc ce serait pas mal que ce soit Kaiser qui prenne. Ah de toute façon ils sont sans peur donc non. On va se contenter de se mettre là. Une attaque comme ceci. Donc eux c'est vraiment les mecs de Xanatus, ils se rendent pas. C'est bon à savoir. Ici. On va ressusciter lui, parce que sinon l'escouade est quand même dans le mal. Et on va attendre là. Allez. Une guérison. Oh ouais, c'est pas inutile une guérison. Vas-y, petite guérison. Non, toi tu peux aller jusqu'où? Jusque là. Ok, prends la place. Une guérison. Non, c'est pas la peine. Et toi tu te mets là. Ok. Bradzev il va tenir la ligne là. Alors ça y est, les arbalétriers se réveillent. Ouh, ça va piquer ça. Bon, elle est une soigneur, il a un soigneur maintenant ce mois 6, mais les mecs ils peuvent faire mal. Hein. Par contre ce qui est cool c'est qu'ils ont bloqué le chemin. Ok. Ouf. Un petit soin, merci. Du coup, si je ne m'abuse, il n'y a plus de place pour le... Ah si, il peut peut-être attaquer Diana sur le flanc, là. Non. Ok. Donc il faut qu'on se répande dans la pièce et qu'on les défonce. Là, c'est nickel, parce que du coup, ils sont dans la lumière. Donc plus d'embuscade. C'est la charge. Allez Bradzev, voilà le meneur c'est fait. Bon de toute façon leur morale il bouge pas. Hein. Il faut donc les tuer. Ah, vas-y mais acharne-toi. T'en prie. On va se replier là, dans la lumière. Comme ça lui va pouvoir venir se suicider et l'autre va pouvoir venir se suicider. Alors. Oh, on est bien là. Alors, c'est des arbalétriers. Alors, est-ce qu'ils ont une bonne esquive, les arbalétriers? Les archers ont une bonne esquive. 28, c'est correct. On va y aller en viser le meneur.
Nous, de toute façon, on n'a pas vraiment d'esquive à perdre, enfin, sauf à l'arrière. Et Yoga Elden, j'espère que ça va bien. Allez, finissez-les, s'il vous plaît. Voilà, merci. Oh, les maîtrises de classe améliorées, là. On va pouvoir monter un petit peu tout ça. Alors, il nous faudrait quelqu'un pour éliminer ça. Kaiser, il pourra s'en occuper. Elle aussi, je pense. On va y aller. Une attaque normale, ça suffira. On va pas être hyper efficace contre les mages, mais par contre... La première ligne, là... Les attaques magiques, ça va pas leur faire plaisir. Ok, ils nous ont étourdis, mais pas assommés, ça c'est cool. Un petit soin bonus. Allons-y. Ok, c'est bien, mais pas non plus ouf. Diana, on va la jouer tout à la fin, vu qu'elle a la capacité de... assez intéressante de... d'échanger gratos avec des gens. C'est dommage qu'on puisse pas aller là. J'aimerais bien me mettre ici, donc on va se bouger Zmoisis. Zmoisis, il pourrait aller mettre une petite fessée là. Je pense que c'est dans ses cordes. Ah, mais est-ce qu'on peut peut-être même les faire se rendre? Non. Aucune chance. Donc, eh bah, ben, on va les tuer du coup. Voilà. Merci, au revoir. Vous aviez qu'à vous rendre. Du coup, est-ce qu'on peut aller se placer à des endroits intéressants? Ici, on avait dit. Ah, mais du coup, si j'attaque ça, c'est des archers, c'est pas ouf. On va envoyer Kaiser là. On va faire on va se débarrasser de cette unité là parce que eux ils sont chiants à attaquer dans le dos. Donc autant essayer de s'en débarrasser. Il y a 246, on est capable de faire 246, parfait. La soigneuse il gagne une attaque supplémentaire qui lui sert à rien quoi. Elle est vraiment ouf cette escouade. Alors j'ai fait des arènes or. Dans les arènes or, Bradzev et Kaiser ils commencent à avoir du mal. Et les escouades de piou-piou, enfin de semi-piou-piou bien entraînés là, ils ont du mal. J'ai été obligé de repartir sur des arènes argent pour les entraîner parce que c'était trop compliqué sinon. Ici on a perdu notre arbaleste. Est-ce que on y va? Il est mal placé lui, m'emmerde. Donc on va y aller comme ça. Avec Bison, qui a quand même des bonnes capacités de combat au corps à corps. Avec Karz. Oh dommage, le 23 PV là qui fait pas plaisir. Bon, au moins ils ont plus de morale. Ce qui veut dire qu'on peut faire un truc comme ça, échanger, toc, après, reddition. Pas de reddition, d'accord, alors qu'ils sont brisés. Eh bah écoutez. Alors quand ils font pas de reddition et qu'ils refusent en fait, on perd un tour d'attaque, enfin ils attaquent en premier, mais quand on les tue, ils ont une chance de se rendre plutôt que de. De mourir. Bon, visiblement, là, ils sont scriptés pour pas se rendre, donc ça ne marche pas. Nickel. La sorcière en moins. Ça, c'est parfait. Ça veut dire qu'on peut envoyer le signe dessus sans problème. Voilà. Ça, c'est fait. Et Jules, on va le mettre là histoire qu'il avance un peu, mais on va certainement pas le mettre devant alors qu'il y a ces gens-là qui arrivent. Voilà, on a bien pris la salle en place pour pouvoir maximiser nos dégâts. Je suis content. C'est pas avec des attaques dans le dos que vous battrez Kaiser, les gars. Il va falloir faire un peu plus d'efforts que ça. Hop là, il n'y a plus personne. Sauf ceux qui sont derrière et que Bradzev va gérer. Hop, le suicide.
Voilà, fusillé au champ d'honneur. Il va venir aussi, j'imagine. Alors là, on va se prendre pas mal d'attaques dans le dos. Ouais, ça c'était par contre prévisible. Hein. C'est la soigneuse qui est morte. Bon, c'est un peu dommage, mais. Voilà. Leur morale tombe pas. Il va donc falloir qu'on les finisse à la main. Du coup, la sororité de la miséricorde se bat pour l'ennemi. Quoi ? On leur fait probablement du chantage, comme si j'avais besoin d'une raison supplémentaire pour éliminer ces gars-là. Le signe, s'il te plaît, ne prends pas la vie de mes sœurs. Si nous vainquons les cultistes, je comprends. Espérons que les méchants n'auront pas rendu cela impossible. Oh, coucou vous. Alors du coup, par contre, il nous indique pas qui c'est, donc je suppose que c'est ça et que elle, c'est pas de la miséricorde. Ouais, tous ceux-là, ils sont sans peur, et elles sont juste bons en morale. Donc je pense que ça, ça doit être du cultiste, et ça, c'est la sororité. Ok. C'est pour ça que leurs escouades sont un peu pourries, enfin pourries, mal placées quoi. Trois soigneuses devant, avec des arbalétriers derrière, n'importe quelle unité les enfonce quoi. Alors par contre, il va falloir s'occuper de cela. Est-ce qu'on y va avec le signe? Bof. Kaiser, il est bien pour gérer ses gens, mais par contre, ils sont un peu loin. A paladin never surrenders. On peut les laisser venir. Hein. On peut les laisser venir. Donc, on va avancer. C'est parti. Tac. Kaiser, on va le laisser un peu derrière. Ready. Le signe, tu peux ressusciter des gens. For my people, for my homeland. Et bah, tu vas ressusciter ton propre mec, en fait. Ce sera très bien. Et après, tu avances. Moi aussi, si tu avances. Jules, tu avances. Kaiser, on a dit que tu restais un peu derrière. On va laisser Ref et Kaiser pour gérer les piou-piou là. On va prendre le premier assaut sur Kaiser et derrière, ça sera le tour des copains. Une petite guérison et des gens à guérir autour. Là. Hop. Hop. Général Bison, tu te places par ici. Comme ça, on a la place pour attaquer. On va faire une viser le meneur pour limiter les esquives. Voilà. Et on a tout le mouvement qu'on veut. On va se mettre là. Et là, alors, est-ce qu'on peut encaisser derrière? C'est quand même des assassins. Hein. Non, il va falloir qu'on tanque ici. On va faire un petit soin sur Galios. Allez hop. Et on est parti. Vraiment, il n'y a que lui qui peut attaquer, donc il n'y a que lui qui devrait bouger. À moins que les autres, ça les déclenche. On s'approchera trop. Ah non, ils ont fait tomber Kaiser. Ah, ça va se payer ça, mais tellement cher. Ça va se payer tellement cher, les gars. Vous imaginez même pas comment vous avez mangé chaud. Ah ouais. Repent before the righteous. Défoncez-les. Alors on en est où des pouvoirs? On les a tous. Alors, grâce à Béatrix, on a un nouveau pouvoir rigolo qui est la météore, qui fait 25% de dégâts dans un truc comme ça. D'ailleurs, on va le balancer là. Ça les endommage un peu. Hop là. J'aurais pu faire exemplaire sur Kaiser, je m'attendais pas à ce qu'il mange pareillement en fait, c'est ça qui est problématique. Ref. Vas-y, Ref.
venge-nous. Ok, pas mal. Ça fait le taf. Bradzev, c'est pareil. Tac. Alors, Mazmara, nommé un acolyte. Je veux un perso qui s'appelle Cassis. Il reste une place de femme, de préférence une grosse bourrine. On doit pouvoir te trouver une paladine, ouais. Ou une valkyrie, peut-être. Je crois qu'on n'a pas de valkyrie en attente. Mais une paladine, ça va le faire. Alors, il va falloir attendre la fin de la mission. On peut en nommer que entre les missions, malheureusement. Sérieux, il reste un mec, là. Bon, bah, tant pis. Bradzev, ça fait beaucoup de fois que tu laisses juste un petit piou-piou. Je commence à être un peu vexé. Et toi, t'es déjà là, How can I help, my lord? Squash. Normalement, tu es dans le coin, je crois. Ouais, là, t'es là, Squash. Archer de guerre, tu es, avec la précision. Et en plus, tu commences même à être loyal envers nous. Alors, Nardinus, eux, ils sont sans peur, donc pas la peine de les faire se rendre. On va les fusiller. Alors si tu veux, je te rendrai tes points, Squash. Je pense que t'es large en points. Ou si tu veux nommer un autre perso du nom de quelqu'un d'autre, n'hésite pas à me dire. Eux, ils se déplacent, hein, donc il y a moyen de les déclencher, mais ils vont pas très très loin. Elles se déplacent pas, donc on pourra les éviter, même si elles couvrent pas mal de zones quand même. Il faut finir celui-là. Oui, le général Bison. Yumi, ok, alors du coup, qu'est-ce qui ferait plaisir pour Yumi Squash? Une archère aussi? Voilà, alors du coup, Kaiser, t'avances là. Est-ce que t'as des trucs à guérir autour? Toi-même un peu. Hop. Et nous, on va ressusciter Kaiser, lui faire un petit soin, et après on progresse. On progresse avec Zmoisis, et on progresse avec Kul, qui regagne un tour, mais est-ce que ça vaut le coup? Ça c'est quand même du mage noir, hein. Mage noir de mémoire, ils sont un petit peu désagréables. En plus, il y a tout ça. Ouais, non, faut pas les trop les titiller. On va se mettre strong, juste everyone. À une case pour pouvoir I can do this. Pour pouvoir jouer un petit peu. Et le problème, c'est qu'on va risque de devoir se battre dans ce couloir, ce qui va être assez désagréable. Après, on pourra se téléporter dans leur dos avec notre téléportation. Donc, ça devrait le faire. Alors la question c'est est-ce qu'ils vont bouger, parce que vu que je les ai pas déclenchés, non, vu que je les ai pas déclenchés, ils bougent pas, très bien. Très bien, très bien. Est-ce que je peux me téléporter à travers le mur? Ah oui, je peux carrément me téléporter à travers le mur, c'est rigolo ça. Diana, ça serait bien que ce soit toi qu'on téléporte à travers le mur éventuellement. Voir Kaiser. Kaiser, ça serait bien rigolo là, le faire surgir dans le mur. Le problème c'est qu'il va surgir sur elle, donc c'est pas forcément pertinent. On va plutôt te faire avancer. Une petite guérison, hop, pour le centurion. Et le signe devrait être assez résistant, je pense, à ce genre d'attaque. Donc on va le mettre devant. Et on va même se permettre de lui mettre exemplaire. Pour qu'il encaisse bien. Ready. Et d'ailleurs, ce qu'on va même faire encore mieux, c'est lui redonner un tour. Alors les pouvoirs, il faut réussir à trouver l'équilibre, parce que on a tout intérêt à les utiliser le plus vite possible pour qu'il recommence à se charger. Mais en même temps, c'est pas toujours pertinent. Allez, on attend là. Donc là, c'est le signe qui va prendre tout l'aggro. Donc normalement, on peut se permettre de mettre des gens derrière. Ouais, tant qu'ils peuvent atteindre le signe, normalement c'est le signe qui va prendre. On va vérifier. On peut faire une petite attaque. Bah allons-y. Ça sera toujours ça de pris. Allez, Squash. Bah parfait.
Ça affaiblit, c'est nickel. Squash qui prend une maîtrise de classe améliorée, ce qui veut dire qu'on va peut-être pouvoir te transformer en doré. On attend Abigail. Tu y vas. On attend. Hop. Bradzev, vas-y. Gadalop. Allez, c'est parti. Faut que le signe tienne, sinon on perd. Ils sont vénères. Ah, ils ont deux attaques, les enfoirés. Ah, je m'attendais pas à ça. Je pensais que, comme tous les mages, ils faisaient une seule attaque. Et la petite action supplémentaire en plus. Bah, allons-y, c'est la teuf. Et salut Xebius, bienvenue sur le live. Alors ce serait bien qu'on ne n'élimine pas les squads, comme ça ça ferait pas de place pour les suivants. Merde. Putain, le signe, il lui reste 10 PV hein. C'était peut-être un petit peu présomptueux. Si ça soigne de 6 quoi. Waouh. C'est la défaite! Le héros est tombé au combat. Ah non! Ah non! On va recommencer le tour. On va pas tout refaire. Ok. Mais Xebius, il arrive quand il veut, il n'y a pas de souci. Du coup, on va pas être trop gourmand. On va rester là pour aggro juste un mec. Visiblement, c'est suffisant pour que ce soit la violence. Hop là. Allez hop, Kaiser. En avant. Jules, en avant. Toc. Ah non, on recommence pas la campagne depuis le début, Squash, quand on perd dans ce jeu. On peut recommencer la mission, mais bon. Where am I needed? Il y a tellement de. Ah, je suis pas sûr qu'il le ferait, Xebius, Squash. Xebius pense qu'il aurait lancé le jeu de base comme ça pour voir, pour le fun, en mode. En mode. Permades. Ce qui est jouable, hein. Mais recommencer, enfin en fait le jeu est hyper long, c'est un jeu scénarisé, tu refais pas des trucs, enfin tu recommences pas de zéro quoi, c'est pas possible. Là déjà on a débloqué le fait de faire des déploiements de missions secondaires, c'est-à-dire que déjà on avait les missions principales, on avait les missions du DLC, on avait les arènes. Là en plus maintenant pour chaque mission principale on a 6 missions secondaires. Donc il y a quand même de quoi s'occuper un peu. Ouais voilà c'est ça, tu recommences le chapitre et encore franchement c'est coûteux quoi. Direct l'action secondaire, ok très bien. L'action supplémentaire, et ben allons-y. Relâchez la violence. Ouais, comme dit Mazamara, j'en suis déjà pas mal d'heures de jeu, et en plus je joue en off pour gérer les escouades ou faire les arènes, parce que sinon il y a trop de trucs à faire, quoi. Je pense qu'on peut envoyer Abigail là-dessus. Ouais, pour moi ça passe. On va pas faire super mal à eux, mais on va éliminer la première ligne, on devrait bien encaisser les attaques normalement. Ok, on a éliminé la ligne arrière, c'était pas ce que j'avais prévu, mais pourquoi pas. Ah, par contre, ils ont un paquet d'actions supplémentaires. Ça fait mal aux fesses. Hein. Je joue avec le DLC Légende, tout à fait. Quoi. D'ailleurs, c'était pour présenter le DLC à l'origine que j'avais relancé la partie. Du coup, là, il peut aller jusqu'ici, il peut aller jusqu'ici. Ce qui veut dire qu'on pourrait se TP là pour caler les tirs.
Ouais, on va être sage parce qu'ils sont quand même un petit peu énervés. On va se TP juste dans leur dos. Alors est-ce que Nardinus est à portée? Nardinus est à portée, parfait. Allez Nardinus. Affaiblis-les. En plus c'est une embuscade vu qu'on est dans le noir, parfait. Oh, c'est propre ça. Du coup, on le termine avec le signe. On fait un petit soin. Je pense qu'on va quand même prendre. Ouais, quoique. Alors là, on a qui peut nous atteindre? Un arbalétrier qui va se poser là, nous tirer dessus. S'ils se mettent ici, ils peuvent pas nous toucher. Donc il faudra qu'ils choisissent soit un mec comme ça qui vient au contact, soit elle qui vient au contact. Est-ce qu'on peut mettre un petit Kaiser là? On peut mettre un petit Zmoisis ici. Zmoisis, il est en quel état? Ouais, ils sont fonctionnels. On va voir si Mawa peut résister à un assaut. Non, je vais mettre Bradzev là, juste parce que comme ça, au prochain tour, il devrait pouvoir avancer un peu. Passer la ligne. A paladin never surrenders. Attends, les couloirs quoi. On va être obligé de se battre avec deux péons. Qui n'a pas bougé? Ah oui, Jules. Bah, Jules il peut pas bouger donc. Oui, je veux mettre fin au tour exactement. Ouais, tant que c'est pas un chien, ça va. C'est ça, t'as raison. Quoi. Putain, ils font plus mal quand ils attaquent au corps à corps. Hein. Ouais, non, mais le signe il va encore se faire péter la face. Hein. C'est ouf, hein. Wouah. Elles font tellement mal ces escouades là. Bon, bah, on va refaire le tour. Et je lui ai mis la protection. J'ai mis la protection. Si, j'ai mis la protection. Dans le couloir là, on est obligé de les aggro. C'est pas facile, hein. C'est franchement, même les dragons ils sont en difficulté face à eux. On élimine le leader mais ils en ont rien à foutre. Allez, un petit soin à 37, hein, les actions supplémentaires. Ah! Putain, Jean-Charles, Jean-Jacques et Jean-Eudes. Ils ont du mal là. Hein. Du coup. Alors le truc c'est qu'il faudrait quand même que le signe se bouge. Si on veut placer un archer là. Mais si je le mets ici, il prend un peu trop cher. Alors est-ce qu'on peut tenter l'aggro avec quelqu'un d'autre, genre Zmoisis? Tant pis, on sacrifie Zmoisis. C'est pas très très gentil mais bon. Allez Mawa. Ouf, ah la vache. Quand elle esquive pas, elle prend un peu par contre, la pauvre. Du coup, il nous faudrait quelqu'un avec du soin. Ah, ils sont loin nos soigneurs. Ou alors on refait jouer Abigail, mais elle est dans le mal elle-même déjà. Si on peut avancer avec Bradzev jusqu'ici, faire une petite guérison. Voilà, comme ça ma voix, elle prend un peu mieux l'aggro. On prend l'aggro avec Bradzev. Ah, c'est chaud là. Là, il y a tout le monde qui peut venir lui taper dessus. Surtout les archers. Non, on va pas prendre l'aggro avec Bradzev, on va... On va pas une bénédiction, on veut l'exemplaire sur Zmoisis. 50% de dégâts en moins, on va voir si ça permet de passer un peu le truc. A paladin never surrenders. Hop. Hop.
Hop. Ici. Hop, on ressuscite le dernier archer là. Il fera quand même un petit peu de dégâts comme ça. How can I help, my lord? Une guérison à faire. Ouais, une petite guérison sur Kaiser. Ah, tu connaissais vraiment pas le terme aggro, squash, pardon, je pensais que c'était un troll. Oui, oui, l'aggro, ça consiste à prendre l'aggro, enfin, à se placer de manière à attirer volontairement les dégâts. Donc soit parce que tu veux attirer une partie d'un groupe, par exemple là, je veux attirer juste ces deux-là. Donc je me mets juste à la limite, pour les forcer à venir, parce que je sais que ça va les déclencher. Soit parce que t'es un tank par exemple dans un MMO ou un truc du style et que tu sais que tu vas résister aux dégâts, donc tu prends l'aggro pour que tes unités plus légères ou tes amis plus légers prennent pas de dégâts. Mais oui, bah excuse-moi, je pensais vraiment que tu trollais en fait en disant ça. Normalement leur attaque à distance c'est moins fort. Ouais voilà, vachement moins fort quand ils attaquent à distance. Ça c'est parfait, ils vont prendre la place d'un arbalétrier qui aurait pu attaquer à distance. Ah, par contre, il va falloir qu'on les traverse maintenant. Oula, ça vibre. Normalement, elles ont qu'une attaque, elles. Hein. Nous, on en a deux, par contre. Voilà, parfait. Donc, ils sont sans peur, ce qui est pas cool. Parce que toute seule, elle va résister. Ouais, bah, c'est vrai que... C'est un terme qui est tellement rentré dans le... Comment dire... Dans l'usage normal, on va dire, de... Des jeux de style, des jeux de ce style de stratégie ou MMO que je n'ai plus du tout le... Ça me paraît naturel, quoi, comme tout. Hein. Bradzev, tu pourrais charger le signe, tu pourrais charger... Si on élimine ces deux-là... On a géré les relous, parce que les arbalétriers, ils sont chiants, mais ils vont pas nous one-shot le signe, quoi. À aucun moment. Ici, sinon, ça pourrait être Abigail. Abigail, le problème, c'est qu'il faudrait la soigner un peu avant. On pourrait la soigner et lui redonner un tour. Le problème, c'est lui qui nous bloque, là. Sinon, on y va avec Bradzev. Je sais pas si Bradzev, il pourra éliminer ça. Ouais, on va essayer. Hop, au pire, on lui redonnera un tour. Ou à quelqu'un d'autre, on verra. Un pro ne serait pas mouru deux fois sur ce combat. Bah pff, ouais, alors franchement... Allez, tuez-les là. Ok, bon, il en reste un. Galios qui résiste. Ah non, mais en vrai, squash, hein, sur ce genre de jeu... le problème principal, c'est que certes c'est de la tactique et de la stratégie, mais t'es obligé justement de prendre des aggros comme ça pour faire venir les ennemis. Parce que tu peux pas, vu qu'ils ont le même mouvement que toi, tu peux mathématiquement pas te mettre à une portée où tu pourrais les attaquer au tour d'après sans que eux t'attaquent. Du coup, ça fait partie du jeu, quoi, de perdre des troupes. Il y a toujours moins de fois que dans Shadow Gambit. Bah dans Shadow Gambit c'est pareil, il y a un gameplay exprès pour ressusciter, donc c'est encore pire limite. T'es obligé de mourir dans Shadow Gambit. Kaiser il pourrait y arriver hein. Kaiser on va l'envoyer, comme ça veut dire qu'on aura des persos derrière pour pouvoir prendre les côtés de l'autre là. Allez Kaiser. Voilà, Urtug par exemple c'est un jeu où c'est vraiment, vraiment calculable quoi. Et salut Big Ref, bienvenue sur le live, j'espère que ça va bien. Alors, il nous reste les arbalétriers qui vont venir. Elle, on a dit qu'elle bougeait pas, donc on peut les ignorer. Qui c'est qu'on a? Là, on est trop loin. 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 Donc on a ces trois-là qui peuvent faire des trucs. En gros, il n'y en a qu'un seul parce que sinon on n'est pas à portée. Stay strong, everyone. Alors, est-ce qu'on sacrifie Abigail? Ouais, c'est du lanceur de sort, donc il faudrait plutôt du dégât. Time to end this. Pour envoyer Jules. Est-ce qu'on a un malus si on perd des...
Non. Non, on a même pas de malus, donc bon, ça va. En plus, on a encore 3 unités d'enfoirés là à gérer. Bon, ceux-là ne se déplacent pas. Donc eux, pour le coup, on va pas avoir à les aggro, on va pouvoir se placer et leur cogner sur la tronche. Et bah, ça va pas trop mal. Bigref, merci. On est... On tente de faire cette mission qui, mine de rien, est un peu énervée. Ah, dommage, j'aurais bien voulu qu'on tue une ou deux sorcières. Parce que là, ils vont nous faire mal aux fesses. Ouais, voilà. Ah, ouf. Pas cool, ça. Oh, les actions supplémentaires, en plus. Sérieusement. Ok. Et bah, ça a piqué beaucoup plus que je l'attendais. Donc ça, c'est le problème. Vu que les escouades des mecs des quêtes, je les prendrai jamais. Et bah, du coup, ils sont tout pourris quand je les prends. Tac tac tac. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse du coup, c'est mettre Abigail là, lui redonner un tour et taper. Faut qu'on se débarrasse de cette unité là, donc on va le faire. J'aimerais bien garder le tour pour là, mais. On va guérir. Hop, on va guérir. Celui qui est devant, lui il a des bonus quand il couvre le leader. Allez, un petit tour de plus. Et tu peux. My friends are counting on me. Allez, défonce la ligne. Voilà. Un petit soin. Parfait. Un petit niveau. Il y a moyen qu'on tienne les arbalétriers. Bon, Jules, clairement pas. Mais maintenant, on peut se faufiler avec le signe, donc on y va. Ici. On avance le plus possible. Ok, on commence à se pouvoir manœuvrer un peu, même si c'est pas facile. Bon, Jules, c'est fini, hein, ils vont s'acharner, voilà, cette escouade là, c'est terminé. Alors quand on est en permadeath, je sais pas comment le jeu gère la mort des personnages de quête. Ok, c'est Abigail qui va prendre bien sûr. Ah, les actions supplémentaires des arbalétriers, ça fait toujours mal. Le dernier... Ok, il choisit Kaiser, ça m'inquiète pas trop pour le coup. Ah, ils ont tellement d'actions supplémentaires avec leur morale à fond là. Ils nous ont recoincés, mais pas tout à fait, on a une petite ligne là pour passer. Ah, qui est pas ouf, on est bloqué par lui. Alors, on pourrait envoyer Ref s'en occuper au général Bison, il est un petit peu endommagé Bison. On va envoyer Ref. Alors il faut qu'on évite les esquives, c'est parti. Petite attaque sur la ligne arrière, alors ils sont chiants à tuer hein, dans cette composition là. Éliminer l'escouade entière c'est assez chiant. Heureusement Ref fait le taf. Bien joué Ref. Du coup on a gagné une case. Nardinus est un archer donc il a pas trop de valeur ajoutée. Par contre, là, une attaque. Non, on va viser le meneur, pareil. Éviter les esquives. C'est gentil à lire Big Ref, merci. Et tu vois que ton mini ref fait bien le taf. Hein. Il a pris du level, il commence à être bien efficace. Alors, attention à pas se mettre dans la portée d'attaque de celle-là, tant qu'à faire. Zmoisis. Ouais, Zmoisis il peut faire le taf. Hein. Alors Zmoisis il peut aller ouvrir un coffre. Est-ce qu'on enverrait Nardinus s'occuper de ça? On peut envoyer Nardinus s'occuper de ça. Pour le plaisir. Nous aussi on a des archers. Donc Abigail, ce serait bien un petit soin.
Bradzev, il peut aussi aller ouvrir un coffre. The time to act is now. I can do en fait, on a largement ce qu'il faut. Ready. On a plus de réserve. On a plus de réserve de soins ou de résurrection ici. For my people, for my homeland. Donc on va plutôt envoyer ce Moïsis faire de l'XP. C'est parti. Bim. Oh Kars, bah dis donc, c'était un peu mou ça. Du coup vu qu'il se protège, l'autre il va survivre. Bah oui, il faut taper plus fort, faut utiliser un peu les griffes. Hein. I must not fail. Donc de toute façon, là, ouais, on peut pas les faire se rendre. Alors elle, j'aimerais bien qu'elle attaque pas si possible pour qu'on soigne. I must stay strong. Ce qui veut dire que là, avec le si, on annule ça. Est-ce que tu veux pas qu'on donne le nom de tes chats à des persos, Mazamara? Tiens, l'action supplémentaire dans ta tronche. Ils ont beaucoup de vie, les arbalétriers, hein, par rapport aux archers qu'on 110. Ça, ça fait plaisir aussi. Bon. Lui, il est trop loin. Allez, Kaiser. Finis-nous ça. Voilà, le petit 500 de critique de Kaiser là. C'est ça qu'on aime. Ici, on va soigner là. Et toi, tu vas aller chercher le coffre tout là-bas. Petite guérison. Oh oui, une petite guérison, oui, carrément. Non. Deux caisses, tant qu'à faire. Voilà. Ouais, mais je misclic. Non, c'est bon. Bon, maintenant, faut passer elle sans attaquer. Pour pas risquer de les tuer. Et après, aller endommager ceux-là. Alors déjà, on a récupéré notre petite boule de feu. Donc on va pas se faire chier, on va envoyer une petite boule de feu là. Le petit affaiblissement là, il peut faire du bien. Ensuite, guérison, qui aurait pas besoin de se faire guérir éventuellement? Diana, va chercher des coffres Diana. Après tu peux bouger mais ça m'arrange pas des masses, hein, donc tu vas rester là. Kaiser, pareil, hop, le petit trésor. Une feuille de menthe de magie. Donc il faut qu'on se faufile sans se faire attaquer, c'est-à-dire qu'on a une ouverture là. On va soigner la sorcière. On a une ouverture là, mais pas beaucoup d'autres. Hein. Si je me mets ici, je me prends des attaques. Donc on va se poser là. Avec le signe. Ici, il y a une ouverture, mais on va se mettre là, du coup. My friends are counting on me. Là, on est d'accord, on peut se mettre là. Petite guérison. Ouais, petite guérison sur la soigneuse. Toc. Toi, tu prends le coffre. Preuve du mérite, ça c'est cool. Tu viens là. On est parti. Ça te fait plaisir, c'est Nola et Cracotte. Et Patatra et Roussette. Rouspette. Et bah écoute, ça fait des noms, hein. On a tellement de personnes à nommer. Moi je prends. Alors, le plus chiant. Elle attaque plus elle? Si elle attaque. Non, ok, c'est un bug. Le plus chiant, ça va être celle-là. Parce qu'elle est dans la zone d'attaque de d'Ariana là. L'idéal, ça serait éventuellement de pouvoir charger avec la cavalerie et se replier après. Pareil, lui, en fait, il est, dans la... il est à la portée là. Donc il faudrait qu'on aille. Il faudrait qu'on aille genre ici. C'est qui ça? C'est Nardinus. Ah oui, Jules est mort donc c'est Nardinus. Vas-y Nardinus. Commence à affaiblir un peu. Là on va prendre cher. Le fait de pas pouvoir. C'est un objectif en fait, Gaelden. Oh l'action supplémentaire. Non, il allait survivre lui. Sale bête. En fait, visiblement, elles se sont fait soit endoctrinées, soit par chantage forcées de se battre, les sœurs là.
Et donc du coup, ils nous ont demandé de pas les attaquer si possible. Ça fait partie des... C'est un... Mais c'est juste un truc accessoire, hein. On pourrait très bien s'en foutre. Mais bon, on est les gentils. Donc on va essayer de faire en sorte... Faire en sorte de... Même si ça va probablement nous coûter cher. Allez, on envoie Mawa et Osmosis. Diminuer un petit peu l'ennemi. Sale bête. C'est pas si mal. Je peux les affaiblir. Alors qui? Celle que je peux pas attaquer ou les autres? Ah, les actions supplémentaires du moral, mais quel enfer. Bah là, oui, en fait, elles sont rouges. Donc si je rentre dans leur zone de... Elles bougent pas, heureusement, elles se déplacent pas. Mais si je range dans leur zone, là, elles vont m'attaquer. Et si elles m'attaquent, mes troupes vont riposter si elles sont à portée de riposte, quoi. Donc du coup, faut faire gaffe. Faut faire gaffe à ce qu'on fait, à comment on se place. Alors là, je pourrais éventuellement me téléporter. Qu'est-ce qui serait intéressant? Jusqu'où je peux me téléporter? Parce que je suis un peu loin. Ouais, c'est pas intéressant. Faudrait que je m'approche. Genre dans un angle mort, genre ici. For my people, for my homeland. Je suis trop loin. Ah bordel, je suis trop loin de partout. I can do this. Faut pas que je m'arrête dedans. Si je finis mon tour dans cette zone-là, elles vont m'attaquer. Ce qui va être obligatoire. Après, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est tout ou pas? Parce que le problème, c'est qu'ici, genre pour tuer celle-là, là, je vais être obligé de me mettre probablement là, donc je vais être dans sa zone. Mais elle pourra m'attaquer à distance avec ses arbalétriers, mais si je mets une unité qui a que du contact, je vais encaisser l'attaque et je pourrais pas riposter. I must stay strong. Pareil, je vais me mettre là, parce que j'ai pas trop le choix, il y a que là que je peux aller. Du coup, je vais encaisser son attaque, je pourrais pas riposter, quoi. Donc c'est un peu chiant, mais y a pas trop le choix. J'ai malheureusement pas trop le choix. Bon, avec Bradzef, on va charger. Allez, avec ce qui nous reste. On va prendre cher avec Bradzef, hein, mais bon là faut endommager, faut affaiblir. Galios qui résiste avec un PV et qui fait un critique en plus. Bien joué. Bon, on a éliminé une partie de la première ligne. C'est pas ouf. C'est franchement pas ouf. Oh, les actions supplémentaires. C'est pas cool. On va rester là pour absorber une attaque. The battle lies before me. On va mettre Ref ici, qui peut guérir. Ouais. Donc on va se prendre les arbalétriers là. Le signe. Je vais te mettre juste là, tu seras à portée après. Pareil, si je pense que si je mets Bison là, ça va le faire. Ce qui m'ennuie, c'est Kaiser et Diana qui sont beaucoup trop loin. Kaiser, on va le mettre là. Une petite guérison. Ouais. Hop. A paladin never Diana, Donar be with us. On va la mettre là pour gagner un petit peu de case, mais elle va mettre pas mal de temps à arriver. Et Abigail, on peut plus guérir. Prochain tour, on pourra peut-être se téléporter et faire un truc. Donc là, qui va nous attaquer? Elles vont attaquer. Là, ça va attaquer. Là, on est hors de portée. Là, ça va attaquer. Là, ça va attaquer. Là, ça va. Ok, on va se faire dépouiller. Ça va être coûteux. Ah, c'est ce genre d'objectif qui rend le permadeath impossible à gérer, quoi. Très clairement. Ouh, on les a assommés. Ça, c'est très très bien joué de les avoir assommés. Ça veut dire moins d'attaque. Osmosis là qui a bien joué là. Il va pouvoir prendre une attaque de plus du coup. Bon, Bradzef, fini pour lui. Cette unité là est encore un peu trop en état malheureusement. Celle-là est full life. Donc là on va devoir encaisser en espérant qu'il ne tue pas notre soigneuse, ça va.
Et c'est tout. Ok, très bien. Alors, quelles sont nos possibilités ? For my people, for my homeland. Là, on peut aller taper là-bas. C'est pas si mal, on peut aussi aller essayer d'endommager ça. Nardinus, il peut balancer quelques flèches pour finir là. Smosis, il va servir d'aggro. I must stay strong. Si on se débarrasse de ces deux-là, est-ce que le signe il pourra y aller 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, parce que là, elle a un point d'exclamation, donc je pense que si on l'atteint avec le signe, qui est le personnage principal, on pourra papoter et peut-être les désactiver. Mais avant, il faut qu'on y arrive, quoi. Si je me TP jusque-là, après, si on se débarrasse de lui, je peux passer. Donc, on va aller ici. On va affaiblir là. Ceux qui portent une étoile, c'est ce qu'ils appellent les escouades cibles. En gros, c'est les escouades d'élite. Et si on les tue tous dans un scénario, on a un petit bonus à la fin. Ok, ensuite, toi tu peux aller là. Hop, essayer de se finir cela. Allez. Ah non, le PV. Bon, Smoisis, du coup, c'est pour toi. Il faut que tu les finisses. Allez, voilà, merci. Attends, il pouvait rater, hein. Ça aurait été la tristesse. Du coup, on va essayer d'y aller hyper agressivement. On va là. Et après, on va là. Et on attend. Ça lance pas la discussion. Merde. C'est un problème. Et bah tant pis. Alors du coup, on peut plutôt s'occuper de celle-là avec Ref. Alors là du coup, j'aurais pu attaquer avec le signe, hein, je l'ai pas fait du coup, mais je voulais pas risquer de faire des dégâts à des gens qu'on voulait pas faire des dégâts, mais ça va peut-être nous coûter cher. On a débloqué le tour supplémentaire, cela dit. Alors, ce qu'on peut faire, c'est redonner un tour à Ref pour qu'il aille taper par là. Ça peut être pas mal. Les autres possibilités, c'est quoi? Ah, on est loin, hein, tellement loin. On peut aller là avec Kaiser. I can do this. On peut se mettre. L'angle mort, il est où déjà? Il est là. Ici avec Diana, comme ça au pire, elle arrive derrière pour foutre la merde. Et ici. Là, on va se faire attaquer. On va se faire attaquer. On va se faire attaquer. Et on va se faire attaquer. Et on va se faire attaquer. Il nous faut un tour de plus, donc il nous faut un tank. Donc ça va être pour. Ça va être pour Ref. On va prendre les aggros sur Ref. On va lui filer un tour de plus. On va essayer de se débarrasser. Là, il n'y a plus de mages, donc ils sont moins dangereux, eux. Donc on va faire une attaque là. Allez, Ref. Parfait, le désarmement qui aide là. Bon, dommage, c'est celui qu'on tue, mais. Je vais pas tout avoir. Allez. Pas mal, parfait. Bon, on a pas mal éliminé la menace quand même. Maintenant, et ben à leur tour. À leur tour, à leur tour. Oh, le coup critique pas cool. Ok, ça passe. Ensuite. Là, ça a pas passé. Enfin, quoi qu'ils sont très faibles en attaque à distance. Mais ouais, bon, ça passe, mais il reste plus grand chose quoi. Alors peut-être qu'elles vont nous parler qu'une fois qu'on sera débarrassé de tous les méchants, hein, c'est possible. Mais du coup, c'est violent. Donc ils sont obligés d'attaquer Ref, hein, grâce à l'exemplaire là. Prend 50% de dégâts en moins, ils sont obligés d'attaquer lui. Enfin, donc ils sont à portée bien sûr, s'ils sont pas à portée, ça change un peu.
Ok, il nous reste eux à gérer. Nardinus, faudrait que tu te replies. Bah ici par exemple. Voilà, pour laisser la place à Bison. Qui va se faire plaisir à les affaiblir un peu. Alors, est-ce que Kaiser est à portée? Oui, Kaiser est à portée. Allez, Kaiser. Et ce Kaiser, bah tu tombes bien. On t'observe t'énerver un petit peu. Il en reste un. Oh là là, la loose. Ça, ça c'est une vraie loose. En plus, il est dans un vieux coin. Je suis blasitude. Et on peut vraiment pas parler là ? Alors, je vais tenter un truc. Non, c'est où déjà qu'on sauvegarde ? Système. Sauvegarde rapide. Hop là. Ready. Si j'attaque là, ça fait quoi ? Est-ce que je lui parle ? J'ai pas l'impression que je lui parle. Donc ça marche pas. Donc là on est niqué à cause d'un mec qui a survécu, sérieusement. Il reste Ref qui aurait peut-être des possibilités d'attaque, non. Non non non, y a pas moyen. Ah, on a plus du tout d'archer disponible pour le finir. For my people, for my homeland. Est-ce que je peux attaquer là? Non. C'est très ballot, mais bah on va devoir encaisser un tour. C'est très très ballot, mais bon, c'est comme ça. Je suis un peu déçu, Kaiser, là, j'avoue. Ouais, bah ouais, ouais, voilà, tu le one-shot avec un carreau dans la tête, mais... Non, Diana était trop loin. Elle est très lente, Diana, en fait. C'est une infanterie lourde, elle a que 5 ou 6 de mouvement, donc elle arrivait à peu près là. Qu'elle pouvait pas... Elle pouvait pas aller aussi loin, pas sans la téléportation. Bon, du coup, ça nous a pris un peu plus que prévu. Mais au moins, on a les 100 points. Waouh, 100 points de bonus, c'est énorme. Parfait. On a que un rang A, parce que bah on a fait trop de tours, mais... C'est toujours ça. Alors par contre, on va certainement avoir pas mal de blabla, donc on va arrêter l'épisode de VOD. On va laisser... on va s'arrêter sur ce petit Edelia. En espérant qu'elles sont pas complètement le cerveau lavé. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Bataille, c'est pas souvent d'ailleurs, je crois que c'est la première fois que je recommence un tour. Mais c'était un petit peu brutal là dans les murs du château. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi en tout cas, et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao.